Hi tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau vlog pour un jour un peu particulier, enfin sans plus mais bon quand même. C'est le dernier jour avant le troisième confifi, voilà. Et donc on a décidé de partir avec une copine Solène. À la base on devait aller à la plage faire un pique-nique, sauf qu'à la plage je pense qu'il y aura trop de monde. Donc on va aller au lac du Salagou, un peu plus loin, que je connais pas mal depuis toute petite. Donc on va aller là-bas avec Solène et mes petites sœurs. Donc au final on ne prend pas de pique-nique, on va prendre McDo, mais vous allez suivre ça avec nous. Et d'abord je dois passer à la pharmacie avant de récupérer Solène parce que les allergies au pollen, vous connaissez, voilà, donc faut que je reprenne des antihistaminiques. Et puis on y va. On a peur de passer, il y a trop d'eau. Oh mon dieu. Mais tu passes pas. Mon dieu, comment ils font? Oh misère. Oh, ouais c'est bon. Maman s'il te plaît me tue pas parce que je m'apprête à faire. D'accord. La voiture elle veut dire à très bien. Bon je suis en première, je freine pas, il n'y a pas d'aquaplanning. Oh, oula. Bon, on va où les filles? On va visiter le village de Sel qui a été abandonné à la création du bac. Du lac. Ouais. Du bac. Du lac. C'est un village un peu en ruine. Du coup, à la base, l'eau elle devait monter jusqu'ici. Sauf qu'en fait, l'eau n'est pas montée jusque-là. Du coup, on a le lac et nous on était vers là. Et là, on est vers ici. Et un petit tour chez papy mamie. Les amandes pour mettre dessus. On arrive à la maison sans Solène, choubidou.
Il est 19h22, je crois qu'il n'y a pas un jour où j'arrive vraiment à l'heure du confinement, enfin, du couvre-feu. Vraiment, j'arrive toujours, je sais pas comment je me débrouille, j'arrive toujours à être en retard. Donc bon, premier jour de confinement, ça y est, maintenant on peut plus dépasser les 10 km, c'est trop triste. Mes cheveux c'est une catastrophe, mais là je pense que vous verrez rien. Mais ce matin, ok, j'ai abusé quand même un petit peu sur le blush, mais là vraiment, enfin je sais pas si vous verrez à la caméra, mais moi je le vois dans le miroir, tout là, surtout mon front, je suis rouge, mais rouge. Donc je pense que j'attrape un petit coup de soleil, mais d'un côté il faisait super beau, il faisait à peu près 22 degrés je crois. Le soleil tapait fort, franchement à travers mon jean noir, je sentais mes jambes qui brûlaient. Donc bon, je pense que je vais bronzer un petit peu, ça fait pas de mal parce que l'été dernier je me suis exposée au soleil une fois en août, j'ai attrapé un énorme coup de soleil sur tout mon corps. Donc je pense que 2021 c'est mon année pour bronzer, vraiment je pense cette année je la sens bien, bronzage on fleek, maintenant plus que le summer body, mais bon lui c'est une autre histoire. Franchement c'était grave cool de sortir aujourd'hui en cette dernière journée. Donc voilà, je vous ai pas trop emmené avec moi. Franchement j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop filmé non plus, mais je vais essayer de rendre ça un peu cool au montage. Donc j'avais annoncé que cette vidéo sortirait lundi, parce que demain c'est Pâques, et souvent en fait je filme maintenant le samedi, je monte le dimanche, et du coup pour poster le dimanche, mais demain j'aurai pas le temps de monter, donc je vais essayer de commencer un peu maintenant, parce que maintenant en fait je travaille toute la semaine, donc c'est compliqué, je travaille vraiment les journées complètes, donc j'ai pas le temps de filmer, de faire du montage, enfin si, de faire du montage oui, mais j'ai pas le temps de filmer, donc j'ai rien à monter, donc je vais commencer, et puis voilà. Donc là c'est grave cool franchement de sortir, ça fait du bien un petit peu, de juste de rien faire en fait, d'avoir rien de prévu. Vu que maintenant je travaille toute la semaine, franchement j'ai grave du mal. Parce que du coup là je fais à peu près 8h30, 18h30 quasiment tous les jours. Et je sais que si j'aurais été en cours j'aurais fait à peu près la même chose, mais ça a pas la même saveur. Franchement les horaires ça a pas la même saveur. Et du coup le matin je me lève parce que je sais que je dois aller travailler, même si des fois j'ai un peu de mal. Mais voilà, enfin la fatigue se ressent surtout en fin de semaine, là où je suis vraiment éclatée. Des fois le soir, il y a des soirs où vraiment je tiens pas, alors que moi je suis vraiment une couche tard à la base, donc je me couche toujours vers 1h du matin minimum. Et là vraiment des fois à 22h, déjà je suis couchée, je suis vraiment comme une vieille maintenant, comme une mamie, une petite mamie. Mais du coup le week-end, la fatigue franchement elle se fait ressentir, je sais que là ce matin bah, j'avais mis un réveil pour me lever parce que j'avais plein de choses à faire. Au final je me suis absolument pas levée, donc la semaine j'arrive à me lever quand je mets un réveil, mais alors le week-end... Bah, impossible, ah, impossible. Donc je vais faire le montage de cette vidéo, je vais faire le montage aussi de quelques TikTok. Ça vous verrez ça dans la prochaine vidéo pourquoi. Donc la vidéo de dimanche prochain, voilà je prépare quelque chose d'assez particulier qui là aussi va toucher pas mal mon sommeil. Vous verrez ça, là j'ai donné trop d'indices, vous verrez ça la semaine prochaine. Partout, même jusqu'à la douche, tous les samedis soirs c'est le rituel Hawaii 5-0. Voilà, je peux pas faire l'impasse dessus, c'est pas possible. Vraiment, je crois que c'est ma série préférée. Bon, je viens de terminer mon épisode de ma série. Je vais continuer un petit peu mon montage, puis je vais aller me coucher. Alors, je vais arrêter ce vlog ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, de m'avoir suivi dans cette journée, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut !